Salut à toutes et à tous, ici Kalian. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 5 de notre aventure sur Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi Studio. Aujourd'hui, nous allons faire le quatrième combat de la saga Cyborg. Enfin, les Cyborg, excusez-moi. J'espère que vous allez bien, moi ça va tranquillou. Et là, ça va être le tournoi Cell. Donc le Cell Game, là où Sangoku revient malgré sa maladie. Cell opens a martial arts competition, the Cell Games, so he can enjoy the ultimate fight. The first challenger is Goku. Et c'est d'ailleurs ici qu'on va voir le potentiel de Sangohan en ado, en Super Saiyan 2. Et je kiffe ce perso, et ça vous le savez déjà, donc je vais m'amuser quoi. So it's you right off the bat, huh? I was hoping to save the most enjoyable for last. Come. Allez, on est parti. Ah, oh. D'accord. D'accord, ok, ok. En fait, il veut pas que je le tape. D'accord. Alors, Cell, écoute, on va parler. On va parler, moi aussi je sais le faire. What? Pourquoi? Comment il a fait? Non mais tant que je suis pas mis un coup, je... Un coup, hein, pas une couille, je sais, j'ai bafouillé, mais vous m'avez compris. Tant que j'ai pas mis un coup, moi, je switch pas, hein. Bon, tu prends ton coup. Oh merde. Ok. Ok, switch. He seems to be one or two notches above the others. This guy's unimaginably strong. If I slip up even a little, I'll be finished off in an instant. You're pretty good, really. I honestly didn't entertain me this much. Quoi? C'est sérieux là? D'accord, en fait, je suis mort. Je suis mort avant même d'avoir commencé, quoi. C'est sympa parce qu'il a dit que j'étais un ou deux crans au-dessus des autres. Mais j'ai pas fait long feu quoi. Je suis nul à chier dans le style. C'est quel attendez, c'est Goku du milieu ou quoi? I give up. I surrender. I realize how strong you are. There's no way I can win. Goku. Do you realize what those words mean? Well, it's not if there isn't anyone left to fight, right? Ouais. Bon. On n'a pas tenu longtemps, hein. Bon. C'est comme ça. Ouais. Aïe. Maseko. Maseko qui marche pas. Maseko cassé. Oh oh. Ah, je suis trop nul. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est horrible. Il veut pas. Ici. D'accord, je me suis TP sur place. Alors aujourd'hui c'est la grosse forme, hein. Vous pouvez le constater. J'ai un niveau de challenger. Je suis le meilleur combattant du monde. MDR. J'ai même pas le temps de me protéger, je fais des saltos dans tous les sens. Ok, tu m'as saoulé. Je vais faire un petit ultime, tu m'en diras des nouvelles avec une pincée de sel. Ah merde, j'ai pas fait exprès pour la blague. Non, je vous jure, j'ai pas fait exprès, je me suis rendu compte qu'après en fait. Ever since I was little, whenever I flew into a rage, I'd lose my mind.
and start fighting with amazing power. So I'm sure that Dad is taking that into account. Did you really think you'd scare me off with that little story? You're stupider than you look! Oh, now I'm really gonna tick you off. Whatever it takes, little man! Oh, le salaud! Bah alors, Cell, on se fait défoncer par un gamin? Des barres? Hein, quoi? Je peux pas le foutre en l'air? What the fuck? Oh, je me suis fait totalement bait! D'accord, alors j'arrive pas à me relever pendant le vol, et c'est quand je peux me lever qu'il fait son kick. Ah, d'accord. Stupide robot. Ici. Ici. Je t'ai dit quoi? Je recommence. Ici. J'ai dit, viens ici! Ah, mais c'est pas vrai! Masako! Tiens, allez! Oups! Je vais mourir en vrai! Je vais mourir, effectivement! Là, il me fait un caméa, je suis mort, voilà! Même un truc comme ça! What? Mais je me suis TP! J'ai perdu! J'ai perdu. Alors, je sais absolument pas ce qui m'arrive. Je crois que je suis vraiment... Alors, d'une part, nul. Mais bon, ça, c'est pas nouveau. Mais c'est surtout que je pense que je suis beaucoup trop habitué maintenant. Alors que j'ai joué que deux fois. Lol. Au gameplay de Raging Blast 2. Alors que Raging Blast 2 est beaucoup moins technique et dynamique que VT3. Donc, je crois que je vais en chier. Je suis pas sûr, hein, mais il y a une légende qui dit que un noob va en chier. De toute façon, j'ai Goku, je peux pas perdre. Eh oui, fallait y penser avant. Eh ouais, bah, je suis trop fort. Oh, ok, je déconne. Calme-toi. Aïe! Ok, salut. Ah oui, mais c'est vrai. Tiens, mange. C'est joli, hein. Je vois rien. Merci. Ah bah merci. Je retrouve la vision quand oui. Mais moi, je peux pas me TP, hein. Lui, il peut, mais pas moi. Oh oh. Aïe. Oh, j'ai pris que ça. Je vois rien. C'est bon. Aïe. D'accord, alors. Est-ce que je peux jouer? Non, apparemment, repas. On dit dans l'oreillette que je ne peux pas. Oh, comment j'ai fait ça? I would hate for this fight to end due to an out of bounds defeat. So let's remove that pesky little restriction from the rules. What do you think? I get it. You want to fight all out. Ah ouais, en fait, bah du coup j'ai déverrouillé une séquence bonus là, lol. Enfin lol, bonus, pas vraiment. C'est juste moi qui étais trop nul pour arriver jusqu'ici. C'est un autre problème, ça. Ah, très bien! En plus, le jeu m'aide à faire des kikoa pour que je meure pas, c'est cool. Le jeu, il a vraiment pitié de moi en vrai. Hein. C'est triste. Yata! Bah! Ya! En vrai, je suis trop fort. Lol. Aïe, 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 aïe. Aussi, je sais le faire. Hein. Hihihi. Olé, t'es trop nul. Ah, mais franchement, t'es trop nul. Je t'ai dodge comme un dieu. Oh oui. Pff. Non, je veux la séquence. Non. Mais non, mais il y avait une séquence. Ah. De toute façon, je l'aurais tué, je pense. En vrai, ça m'arrange que... Comment dire,
que ça, parce que sinon j'aurais fini le combat là maintenant tout de suite, je crois. Donc tiens, d'entrée, mon chat. C'est beau, Paul. Bah, Wall. Ah oui, c'est vrai, je me suis encore fait bait. Sympa. Là, je suis vénère, ça y est, je suis chaud comme Mulhouse. Hein. Oh, mais LOL! Mais LOL! Cell! It's your time! Je te plaque, MDR! Ah, mais il manque plein d'enchaînements en vrai. Du coup, on est limité en gameplay. Mais j'enchaîne en fait, qu'est-ce qui se passe là? Oups. Ah bah, il est intelligent, dites-moi. Oups. Ah, comment ça se fait que j'enchaîne? Je suis fort ou c'est le jeu qui a pitié de moi là? Yata! Prendre l'altitude ou la descenditude. Lol. Je vais le rater, je vais le rater. Incroyable. Et maintenant, c'est à son tour de me rape. Attends. Je vois rien. Ah, c'est bon. LOL. LOL. Oh, you're a stubborn one. Apparently, your pain alone won't bring your anger to a boil. So, how about we move on to your friends, then? No, don't! Je crois. Mais je sais pas pourquoi, d'un coup, il y a un élan de skill qui s'est envolé. Et, on a fait la Macarena avec lui. Et du coup voilà. Donc Sangohan explose. Alors, en fait il va envoyer les petits sels tout bleus attaquer ses amis en fait, je crois. Et du coup ça va énerver Gohan et il va se transformer en Super Saiyan 2. Et puis là ça va être un des combats les plus épiques de l'histoire de Dragon Ball Z. Those Cell Juniors, they're equal to my Super Saiyan form. Well, here I... Cell creates the Cell Juniors and has them attack the Z Fighters to draw out Gohan's hidden powers. Gohan's anger finally reaches its limits after seeing the Z Fighters beaten one after another. Et on va pouvoir jouer Gohan Super Saiyan 2, les amis. Et ça, c'est trop cool. Ça, c'est la classe. Ça, c'est the class of the class. C'est trop faux. You're not gonna get away with this any longer! Finally, your true form! Now things are starting to get interesting! Intéressante, intéressante, vite fait, hein! Il a pas de vie, le pauvre! Regarde-moi ça, regarde comment ça fond! Regarde-moi ça! Nyon, nyon. Voilà, regarde! Oh, c'est du beurre, le truc! Je tape dedans, c'est cassé! Qui se la pète pas trop, tu sais! Il y en a 5, je crois, comme ça. Regardez-moi ça! C'est trop puissant! Yata! Tiens, vol! Ta tombe est déjà créée, vas-y, fonce dedans! Trop dur, OMG. Tu te calmes? What? Il est où? Ah, très bien. Moi j'ai pas envie de jouer au seuil de la souris, mec. Tu te calmes. Mince. Alors je fais n'importe quoi. Mais Kiko ont été changés aussi, du coup. C'est plus vraiment les mêmes. Enfin, si, mais disons que l'animation a complètement changé. Par rapport à BT2, je parle. Putain, regardez une barre, quoi. Il est où? Ah mais caméra de merde. On va le tuer comme ça, tu vois. Rien. Ah oui, putain, il est lent. Ah ouais, d'accord. Il a pris son temps pour mourir, lui, hein.
Bon, je vous cache pas, c'est très simple, même en difficulté 3. En même temps, c'est des petits sels. You mean that tiny brain of yours lets you think that you can beat me? I don't think I can. I know I can. Impressive. Now it's my turn. Witness the awesome power of perfection. Je surkiffe ce combat dans le jeu, dans la série même. C'est juste incroyable comment ça pète la classe, l'affrontement entre Cell et Gohan. Ah, par contre il est chaud. Par contre c'est normal que je prenne rien. Faut me le dire hein. Bon tu te calmes. Si je prends quelques dégâts, c'est juste son Kamehameha m'a rien fait. Ok, j'ai rien dit. C'est juste que j'avais trop de vie. Bon, on se calme. C'est pas toi qui commande ici. Ok. Tiens, mange-toi ça. On va faire son Kikoa, tiens. Oh non. Ah mec t'as pas le droit. Quoi ça marche jamais, ça c'est relou. Mais vas-y. Yeah. What? Rien. Si je sais le faire. Ok, on va le faire pendant longtemps. Non, par contre, tu dégages. Merci. Allez, casse-toi. Ah oui, mon énergie met longtemps à charger à cause de mon truc. Oh merde, pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, il faut une scène ou quoi? Ok. Allez, à plus sous le bus. What? Oh putain, l'esquive. Tiens, mange-toi ça. Oh, 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 c'est la honte. Oh, c'est la honte. Par contre, le, avec moi, ça n'a plus aucun sens, quoi. C'est... Non, mais il reste encore un combat, vous en faites pas. Il lui manque sa forme 100% parfaite, en fait. Il a encore une forme après. C'est pour ça que je me permets de faire des conneries comme ça, hein. Sinon, je ferais pas ça. En fait, mon problème sur DBZ, je pense, c'est que je suis trop offensif. C'est-à-dire qu'en offensif, je gère, mais en défense, je suis limite nul à chier. Je crois que c'est le problème. Mais bon, ça se travaille. À force. Mais c'est vrai que du coup, je me défends moins bien que sur BT2. Enfin, c'est un petit peu différent le gameplay, donc forcément... I unlocked a new... That's insane. Cell blew himself up and has become even stronger. Well, here I go. Goku uses instant transmission to take the self-destructing Cell to King Kai's planet. However, Cell was able to regenerate and was able to power up even more. Gohan is the only hope for Earth. Now, Gohan and Cell's final deciding battle will begin. No!
now I can finish you off like I should have done in the first place. I'm going to pay you back for what you did to my dad. We'll see about that. I doubt you'll be as lucky this time. Allez, on y va. Le combat final, Cell contre Gohan. À l'attaque. Ok, alors il commence fort, lui. Hop, voilà. Attends, on va faire un tennis. En vrai, il a pas envie. Mais... Oh non. Oh le con, putain, je passe à l'offensive quand il m'attaque. Super. D'accord. Bon alors Cell, on peut être copain. Voilà, moi je viens au cac, je m'en fous. Cell's powered up even more than we expected. Prepare for your demise. I'm going to destroy this whole pathetic planet. I'm sorry. I know you were counting on me to protect the Earth, but I don't think I can do it. Are there any more sensor beams? We've used them all up. Non mais ça va de se taper partout comme ça là. Oh putain, c'est n'importe quoi. Pourquoi il est tombé? What the fuck? Pourquoi il est tombé? Bon, il est tombé, on sait pas pourquoi. Pas bien. En fait, faut juste en pot puisqu'il est imbutable. Do what you want. There's no point in fighting anymore. I can't stop you. I let you down, Dad. I just wasn't strong enough to beat him. What a disappointing end this has turned out to be. Now, to finish it. Hey! Don't give up, Gohan! Dad? Where are you? Mon chat! Putain, mais sérieux! Tu m'énerves. Pourquoi je vais au cas qui va me défoncer comme ceci, MDR. Voilà. Super. Casse-toi. Je peux tellement rien faire sur ce combat, c'est ouf. Je peux rien faire, c'est chiant. I'm already so terrified you're talking to yourself, huh? It's all right. You can win. Believe in your own power. Come on. We can do this together. All right, Dad. I'll do everything that I can. On y va. Oh, il va tellement se prendre dans la gueule. Petit trou de balle. Et bim, j'ai eu chaud. Et mange-toi ça dans la gueule. Lair, lair. Moi, je m'en fous, hein. Je vais jouer Koki, quoi. Allez, tu vas être obligé de charger ton énergie à fond. Quoi? Non, mais fais le bot jusqu'au bout, quoi. Je veux dire, sinon il n'y a pas d'utilité, vois-tu. D'accord. Oh oh. Oh. Oups, non, c'était une mauvaise idée ce que j'ai fait. Hop, mon chat. I'm putting an end to all of this. Take this. You're not using your full power. You have to let it all out.
Un truc tellement dommage par contre, c'est que c'est pas représenté comme dans BT2. Dans BT2, la scène était magique. Je vous la mettrai peut-être en fin de vidéo pour comparer. Mais dans BT2, elle était magique quoi. C'était vraiment du début à la fin. C'était pas juste caméra contre caméra et l'animation est finie et boum, il est mort. C'était bien plus bien foutu, ce n'est pas français. C'était bien mieux, mais c'est dommage, mais c'est pas grave. Enfin bon, du coup, on a déverrouillé les cyborgs d'un futur paisible. Et la saga spéciale crise galactique, ok. Il y a un artefact, mais je me souviens plus du nom par contre. Allez, on sauvegarde. On y va. Alors... c'est quoi le dernier truc? J'ai pas fait gaffe. Ah ouais, oui. Donc du coup, Trunks retourne là où il était et il défonce Cell. Ouais. Je vois. Well, here I go. Trunks has gained incredible powers from training in the past. He returns to the future and easily crushes 17 and 18. 3 years later, Trunks attempts to prevent Cell from going to the past. Trunks' last battle starts. Oui, donc parce que c'est un petit peu compliqué l'espace-temps sur Dragon Ball Z. C'est un peu le bordel. Il y a du futur, du présent, du passé. C'est un petit peu la fiesta. Enfin bon, c'est parti. You're planning to kill me, take my time machine to the past, and absorb Android 17 and 18, right? All to achieve your perfect form. What? How could you know that? That plan is going to fail. Then it will all be over. Allez, parti! Cell, meurs! Faut que je réapprenne à avoir le réflexe de contrer en fait. Mais elle va s'afficher longtemps ma Dragon Ball ou c'est comment? Oui d'ailleurs pour farmer les Dragon Balls c'est ce genre d'arène qu'il faut. Hein. Donc, enfin je vous l'avais déjà dit sur BT2. Ouais je vous l'avais dit déjà plein de fois. C'est assez aberrant. Mais... c'était un moulin à paroles, c'était... J'arrêtais pas de le répéter. Bon, s'il avait la gentillesse de voler contre ça, ça m'arrangerait en fait. Ok. Burning Attack! Lunar! Oh, j'ai été plus rapide que lui. Attendez, je vais essayer d'en trouver une fois. Mince, super saut. Y'a rien. Avec la poussière, c'est un peu chaud de trouver du coup. Attention aux caméras, ouais. Rien non plus ici. Putain, elles sont où? Parce que normalement, dans une des maisons, sur ce genre d'arène, il y a des Dragon Ball. Encore faut-il les trouver, quoi. Ah, moi, je m'amuse à sauter. C'est combat passionnant. En fait, je peux passer la séquence de tout à l'heure. Et je devrais. Quel con. Aïe. Oui. Ok. Bon. With your power, you could not even defeat Android 17 and 18, let alone. Well then. Why aren't 17 and 18 here anymore? Are you saying you're the reason those two have disappeared? A likely story. Eh bien si.
Ah, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. D'accord, très bien. Alors déjà mon gars, tes imageries maintenant, tu te calmes. Parce que là, ça va pas le faire. Je peux rien faire, ça c'est vraiment relou comme truc. Yata! Oh, l'esquive. Il était en train de faire son super caméra. En fait. Oups. Tiens, ça fait quoi ça? Non, l'autre. Signe de victoire. Ah merde, du coup j'ai pas de forme maximale, c'est pas grave. Oups, je voulais faire le burning attack, c'est pas grave. Boum! Oh. Miaou. Je crois qu'il a eu mal. Hein. Coucou. Ah mais non, il m'a annulé mon truc. Non, je refuse par contre. Je refuse. There's no coming back this time, Cell! You're finished! Il est où? Désintégré. It's finally over. Thank you, Goku. Thank you, everyone. Je crois qu'il a été désintégré, je ne suis pas sûr. Bon, du coup, le chapitre est définitivement terminé. Cell, c'est fini. Ce fut sympatoche, ce fut fort en chocolat, tout ça, tout ça. Alors... Ah! Ça c'est bien ça, parce que c'est mon chapitre préféré. Boule de cristal obtenu, boule à une étoile. Finally, Cell's gone. Hey boy, what you doing here? Hey, aren't you? Yes, I'm the world's martial arts champion, the great Hercule. I've come to exterminate Majin Buu. Majin Buu? Who's that? Should I tell Goku and the others? Goku? Oh, that blonde guy that used some tricks. There's no need to worry. Well, I'm off to exterminate Majin Buu. Hope he'll be alright. Thanks to Gohan and the others' actions, Cell's threat is ended. Peace returns to Earth. Until a new threat appears, there is a brief time of peace. Donc, dans le prochain épisode, ce sera la saga Buu. C'est mon chapitre préféré. Et d'ailleurs, on va commencer avec les championnats du monde d'arts martiaux. Avec Monsieur Satan. C'est une merde. Voilà. Mais, Allez, un truc qui m'a étonné, on nous a pas fait jouer Monsieur Satan contre Cell. Alors qu'on nous l'avait fait jouer... On nous l'avait fait jouer, comment dire, sur BT2 pendant l'épisode Cell. Ça, je viens de tilter en fait, ça m'étonne. C'est super bizarre. Enfin bon, du coup, c'est ici qu'on va se laisser. On fera la saga Buu la prochaine fois. Et écoutez, ça va être mon chapitre préféré. En plus, il y aura Babidi et tout. On pourra peut-être le jouer. Je sais plus si on le joue d'ailleurs dans le chapitre. Mais ce sera trop cool parce que on va pouvoir jouer plein de persos. Et il va y avoir des battles totalement épiques avec Buu Petit. C'est mon perso préféré aussi. Un de mes persos préférés, il est trop cool. Hein. Il est trop swag de poule. Et du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et au prochain épisode dans lequel nous ferons le scénario de Buu. Majin Buu. J'allais dire boule maléfique, mais oui, Majin Buu. Voilà. Allez, salut!